à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto gaming. Enfin, tuto gaming, excusez-moi, on va faire du gaming pour une fois. Et on va se retrouver sur. On va se retrouver sur. Sur un jeu très particulier que j'ai pas streamé toute l'émission, je sais pas en fait combien d'émissions il y en a. Mais je regardais, c'est pas mal comme jeu, je l'ai acheté, ben, j'ai joué. C'est bien, en fait, il y a plus de furtifs qu'autre chose. Il y a des panthères, en fait, c'est quand l'ennemi a un doute, il vient vers toi et il t'attaque. Ou assaut, ben vous connaissez tous le mode assaut, là où tu fais ton mode bourrin, tu fais comme tu veux. Donc, aussi le jeu il s'appelle Splinter Cell Blacklist, donc c'est ça. Et donc, jeu sur PS3 et je ne sais pas sur PS4. Voilà, donc on va faire un petit gaming en multijoueur. Et ben voilà, on va commencer sur une mission. Et en fait, désolé si le son n'est pas très très net, parce que comme on n'a pas de casque. Enfin, on en a, mais pas pour deux. On n'a pas encore de. Voilà. Bon, on joue. J'améliorerai mes gadgets, mes pistolets, mes armes, tout. Allez, on joue. En fait, on a trois armes. Et lui, en fait, c'est Charlie. Celui-là qui améliore nos personnages, nos équipements. Ou des fois Charlie en fait nous donne des munitions. Des missions. Des missions en couple, on peut faire des fois en solo ou tout comme ça. Mais en fait, il n'y a pas que lui en fait qui donne des missions en couple ou en solo. Voici Briggs, enfin je crois. Oui, voici Briggs, pardon. Lui nous donne des missions en couple, mais on peut faire que des missions à deux. Ou en ligne, mais comme la connexion est un peu mauvaise en ce moment, parce qu'il fait un mauvais temps, j'ai pas et c'est pourri et voilà, c'est pourri. Pourri et voilà, et voici c'est pourri, et voici la seule femme de l'équipe, juste pour vous dire, c'est elle qui améliore nos avions ou des missions courtes, on va dire la garagiste. Voilà, on en a fini, t'as compris, c'est une garagiste. Ok, allez, au revoir, un métier pour Havre, au revoir. Ben là en fait toutes les paroles. C'est la carte du monde. Toutes les paroles sont des missions. Je laisse aller mes phrases, merci. Et les points bleus, ce sont des missions en couple où tu peux faire. Quand vous voyez le mot solo, vous savez c'est quoi le mot solo? C'est seul. Voilà. comme j'ai dit avec Briggs là, on ne fait que des missions à deux, pas des missions tout seul. Ben là on va faire une mission. Avec Briggs, comment suis-je? Hein? Une mission Briggs là ou mission Charlie? Bon, on prend Charlie, allez, Charlie. Okay. Au Pakistan. Mais là, en fait, cette mission, en fait, il faudra essayer de supporter un maximum de rangs. Il y aura des chiens, des soldats, il faudra essayer de pas crever. Soldats. Et Hugo, si tu ne lui pas croire, on ne peut pas continuer. En fait, désolé, si vous voyez un personnage là en ligne, hors ligne, parce qu'en fait ce sont des amis à moi qui sont dessinés là sur PS3. Là, si parce que t'as des amis. Ben, oui. Désolé, si des fois on va pas vous parler qu'on va jouer parce qu'en fait on est vraiment stressé parce qu'on a peur de mourir. Enfin, il a peur. Ouais. Ça c'est pas moi. Ouais, on va faire du shopping. Et là, comme vous pouvez voir, parce que Hugo est un peu con. Pour ouvrir. Et comme la femme a dit là, on aura des ennemis qui vont débarquer. C'est ceux qui font papa avec le fusil. Non, on s'en blague, on savait pas. Non, c'est avec le couteau. Où est-ce qu'il va? Arrête de faire Spider-Man. Ah Hugo, en fait, toi tu vas rester ici pour me couvrir. Attends. Je vais aller. Où? Ici? Là-bas? Ici, là, retourne en arrière, sur toi. Ok, je prends mon sniper. Sans flinguer. Super, Popo. Je vais en mode bourrin. Dans ta face. Tu peux me laisser terminer mon mode bourrin? Non, mais t'inquiète pas, moi je suis mode bourrin, mais demain. Mais putain, tu. Merci. Désolé si vous voulez l'escorte seulement de mon côté parce que en fait c'est seulement le mode solo en fait. Et là Hugo t'attira à monter pour te reprendre des munitions si t'as envie de survivre. On doit où on était avant, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que t'as fait?
J'ai pris des munitions, si ça se voit pas, les débuchetons, parce que les ennemis qui vont débarquer. Oh, c'est pas grave. Normalement, on est fort, non? Je parle ça pour moi, mais. Vos bouches, soldats. On doit aller où en fait? Tu dois me couvrir, je crois, ou tu dois me laisser crever, c'est comme tu veux. Oh bah, je vais laisser crever. Eh oh! Non, tu as pris ton cul. Ah bah. C'est pas mal, non? Regarde-moi. Je suis en mode bourrin! Changer! Là-bas, là-bas, boum! Là-bas! Ouvre-moi! Moi j'ai pas de mitraillette, hein, je te rappelle. Ah! Il y a un petit pan-pan. Ah! Je sais pas où il est, mais t'es chier. T'es où? Désolé, ce... je sais pas si le sort est bon pour vous. Tu me laisses parler aussi un peu, Hugo, merci beaucoup. Et en fait, il reste qu'un seul ennemi qui me casse ses pieds là. Bon, c'est quoi, je vais prendre mon couteau parce que comme ça, ça passe bien. Charger. On retourne en haut pour récupérer des munitions, bien go. Non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Comme vous voyez, c'est plus moi qui est mode assaut là. Hugo est plus mode je te couvre. Ouais, moi je suis sur mode sniper. On va récupérer des munitions. On va récupérer des munitions. On va faire les mots bourrins plutôt. Je vais faire les mots bourrins. Les autres, je suis pas comme ça parce que je peux parler pas d'entourement. Pardon. C'est rien compris. Petite question, comment c'est. Ah. Ouvrir. Oh merde, c'est pas la fenêtre. Un clip. Merde. Un clip. Oh, mais je suis con. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, t'es en bas. Coucou les copains. Oh mec, tu prends ton petit pistolet parce que là il y aura de la compagnie et pas qu'un peu. Ouh, attends. Parce qu'il y aura moi je vais prendre un petit gros pistolet. Pourquoi je peux pas tremper? Où ils sont les copains? Putain, on va me faire foirer la vie quoi. Non! Non, il n'y a plus personne. Il y en a un. Ah là-bas. Là-bas, rien. Tu vois Ryan? Oh putain. Là-bas. Un clip. Oh, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est? Punaise. Attends, mais il y a des gens derrière. Putain, j'en ai marre. Dans la tête. Salut les copains. Hugo va se faire bien chier car la clé va courir après. Coucou. Alors, Hugo par terre. Attends, j'ai envie de regarder le truc. Attends. Boum dans les fesses. Il y a des clefs! Il y a un bug! Putain, il y a un mec par terre qui doit peut-être qu'il a plus personne. Je me laisse tomber là ou quoi? Quel ennemi? Je te laisse un ennemi? Où il est? Regarde le E, le rouge. Le E rouge. Et tu me trouves rien. Ah! Et je fais pas ton bras. Allez, en fait, juste pour vous dire, en fait, le sniper Hugo en fait, c'est moi qui l'ai amélioré dans l'émission. Émission solo. Arrête de curiner toi. Mais quoi, c'est pour le caca. dégueulasse. Tu es dégueulasse. Oh putain. On se fait avoir de tous les côtés. Bah quoi, tu m'as dit de tirer dans le rouge. Bah voilà, je tire dans le rouge. Putain, qu'est-ce que... Tu me couvres derrière, tu couvres le... Ah, y a des gens. Comme vous pouvez voir, Hugo est parti. Ça y est, je l'ai eu. Bon, je suis là aussi. Oh putain, il y a un clip. Oui, on dirait de mon chien. Oh
Il y a des poum poum, j'aime bien quand ça fait super boum. Au moment, on me parlait comme un bébé. Putain, je peux le tirer. Comme vous pouvez voir, c'est un peu compliqué parce qu'on se tire de tous les côtés. Hop, mais j'en ai marre. Bon, c'est bon, je viens de niquer, le sniper qui est en haut. Et il y avait un Krebs qui me poursuivait. Il voulait me manger. Dans la main. Eh, je vais en mode, je vais m'en faire en haut. Les mecs, on tire, mais ils savent même pas d'où on est, quoi. Forcément, ce qu'on fait, c'est un peu une arme silencieuse, en fait. Non, mais toi, tire quand même. Quand je les tire, regarde, je les tous là-bas. Munitions épuisées. Tu es dans la merde. Pourquoi t'es pas tiré sur le clip des munitions? Je savais pas où c'était, après je suis tombé. Couvre-moi, copain. Comment je dis, au moins tu prends pas les steaks, quoi. Je prends pas les steaks. Ah, la claire, moi je te... Mais je m'en passais. Oh, il y a un sens, moi je passe à droite, toi tu passes à gauche. Mais viens, il faudra récupérer des munitions. Ouais, des munitions. J'ai envie de... tous les faire caca par la terre. Non, laisse, c'était ça, après cette mission-là. Ouh. Après cette mission-là, laisse. Attends, mais punaise, il peut m'attaquer quand tu fais ça. Appuie cercle, c'est bon, t'as déjà les munitions. C'est bon, mais c'est... Mais quand tu fais ça, il... Ouais, mais moi j'avais plus de munitions. Il pouvait me dégommer. Sinon, moi, il me dégommait, et après on était tous morts. Non, je suis sur une lettre pour t'aider. Oh, c'est mignon. Je suis pas ta chérie. Mec, où il y a le capturé, il faut le capturer, il faut pas le tuer. Hein. Capturer qui? Et tu passes là, tu passes là. Tu passes celui-là. Merde. Coucou les copes. Coucou les copes. Mec, tu peux tirer, mec, tire. Mais comment? Comme ça. Dans les coucougnettes. Je suis nul. Pour... Judo. Comme vous pouvez le voir, ben il y a un peu d'ennemis et gros un peu sur cette super. Il y a un mec, on fait une autre vague. Ou on dégage ici. Hein. On dégage d'ici. Ok. Quand est-ce qu'on a fini? Ben là en fait, on fait une autre vidéo. Oh. Une autre vidéo il n'y a pas très longtemps. Quoi? Non, rien. Bien joué. Maintenant on va vous sortir de là avant que la prochaine vague arrive. Une vague de quoi? Tsunami? C'est lui qui m'a appris. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le fantôme... On a gagné des sous. On a gagné des sous, ça c'est vrai. Mais enfin, on était plus moins assaut qu'autre chose, en fait. C'était trop bien. Bon, au revoir. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben, au revoir pour d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir. Et là, peut-être on fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps après ça. On fera peut-être une autre vidéo dans 2-3 semaines ou une semaine, on verra. Ou une heure, ou dans une heure. Ouais, ou dans une heure, pas de problème. Bien, adios amigos.